Et on revient pour débuter sur les suites de l'affaire du père Louis Ribes, ce prêtre décédé en 1994, accusé d'agression sexuelle sur mineurs. On le surnommait le Picasso des églises. Il aurait profité de ses cours de peinture pour abuser des enfants dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, l'Église catholique demande le retrait de ses œuvres encore exposées. Mais tout n'est pas si simple. Exemple sur la commune de Charly, Bucineau et Marine Mulcé. Faut-il retirer les vitraux dessinés par le père Louis Ribes? À Charly, la question fait débat. La plupart des habitants ne souhaitent pas y toucher. L'art, il est installé. Qu'on dénonce les faits de pédophilie, tout à fait. Mais je pense que si on commence à enlever des objets qui ont été faits par des gens qui n'étaient pas bien, ben, on n'arrête plus. Hein. Moi, je crois qu'il faut différencier l'homme de l'art. C'est un gros problème, mais bon, enlever les vitraux d'une église... Si on les enlève, il faut les remplacer. Le diocèse de Lyon a pris la décision de décrocher les tableaux du père Ribes, présents dans les églises, mais la question des vitraux est plus complexe. C'est aux municipalités, propriétaires des murs, que revient cette charge. Pour le maire de Charly, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Nous sommes tout à fait ouverts à la mairie de Charly pour entamer ce travail, bien évidemment, mais il est beaucoup trop tôt, sans aucune information, sans aucun détail, de prendre une décision qui impacterait ce beau bâtiment que nous avons à Charly. Pour retirer les vitraux de cette église, classée du XIIIe siècle, la mairie devra notamment se référer aux directives des bâtiments de France.